Merci, vraiment merci infiniment, on est plus de 1000 sur la chaîne, 1000, mais 1000 quoi, 1000 abonnés, vraiment ça me fait extrêmement plaisir d'avoir 1000 personnes qui regardent mes vidéos, enfin qui sont abonnés, parce qu'il y en a que 200 qui regardent mes vidéos. Bref, ça c'est qu'un petit détail, 1000 abonnés, ça m'ouvre tellement de portes, j'aurai tellement d'avantages, plein de choses qui s'ouvrent à moi. Bref, j'en parlerai dans cette vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que je m'excusais, parce que normalement c'est une vidéo spéciale qui devait sortir, mais bon malheureusement avec le confinement je m'y suis pris, je suis d'accord avec moi, j'assume, je m'y suis... Wow, ça m'excite tout ça, les 1000 abonnés, tout là. Je m'y suis pris un peu tôt. Enlève ça, frère. Je m'y suis pris un petit peu trop tard, c'est vrai. Bref, trop long, trop longue histoire. Du coup, avec le confinement, tout ça, j'ai pas pu aboutir à mon projet. Donc, après le confinement, je vous promets que la vidéo pour les 1000 abonnés va sortir. Je vais prendre mon temps, vous inquiétez pas. J'espère que ça va être lourd. Je vous donne un petit indice quand même, parce que je me pardonne un peu. Si je vous donne un indice, ce serait quoi? Caméra, je rigole, c'est bon. Un indice, été. Voilà, c'est bon. En vrai, c'est un petit... C'est bien. Donc du coup, avant de commencer la vidéo, je tenais à faire un petit peu la gringue. Là, c'est le Mario du montage. C'est stylé ou pas? Du coup, c'était pour vous dire, allez me suivre sur mon Instagram, parce que j'ai oublié de le dire encore une fois. Et je vous dis ciao, du coup. J'ai beaucoup de DM maintenant que j'ai 1000 abonnés, hein. Wow, niveau meuf, ça paye, hein. Salut, on se connaît pas, mais t'as l'air sympa de ouf. C'est pas donné à tout le monde, hein. Par contre, la gueule des meufs. Je rigole, c'est une blague. Du coup, on va s'écouter une putain de musique. On va foutre le bordel dans la chambre. Je vais aller voir mon frère, je vais lui twerker dessus. Ok, venez avec moi. Je vous emmène, c'est parti. J'ai 1000 abonnés. Maman. Tu penses quoi de mes 1000 abonnés? Tu leur dirais quoi s'ils t'entendent? Super mot, en tout cas c'est, tu me touches beaucoup, ça me touche beaucoup que tu dis ça à mes abonnés. Qu'est-ce que je vais dire? Bah je sais pas, dis un truc en mode de, vous êtes tous moches et vous pouvez. Ah non. Je rigole, non, dis. Je suis super content pour mon gamin qui a tant d'abonnés. Merci. Bah, merci maman. Fais-moi un bisou. Je rigole. Voilà, ma maman c'est la meilleure maman du monde, de toute façon on peut pas tester. Du coup on va aller voir mon frère. Quoi? Tu dis pas toujours ça. Oh wow. Germain, tu penses quoi de mes 1000 abonnés? Tu leur dirais quoi? Il est indépendant, certains vont l'appeler un chou méfiant. Ouais, et encore? Je suis sûr que même le chien, il a plus de mots que toi. Tu dirais quoi toi, Pixel? Lui, au moins, il dit quelque chose, tu vois. Non, dis un mot, vraiment, dis un mot. En trois mots. Définis mes 1000 abonnés en trois mots. Con, mauvais. Moi, là? Moins de 18 ans. Attends, répète. Mauvais. Con, mauvais. Tu parles de moi, là? De tes abonnés. Ah ouais, carrément. Tu me déçois. T'as pas un mot à dire, toi? Ah ouais, voilà, continue encore. Voilà, on est de retour ici les amis. C'était pour vous dire que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Moi, si je devais vous décrire en un mot, pour 1000 abonnés, j'ai une communauté formidable, branchée de ouf, parce que quand même 300 vues en une heure, c'est pas donné à tout. Enfin, il y en a, ils font 300 000 vues en une heure, mais bref, j'ai vraiment une communauté qui partage, qui est avec moi, qui est vraiment, j'ai l'une des meilleures communautés. Je préfère avoir 1000 abonnés et une communauté comme ça qu'un million d'abonnés et de faire 200 000 vues avec une communauté peu active. Mais là, vraiment, dans cette vidéo, je vous parlais de mes avantages du coup que j'ai et de mes portes qui s'ouvrent. Oh, je sais même pas par où commencer. Je les ai déjà remerciés, mais je suis désolé aussi. Par contre, ah, je sais pas. Voilà ce que vous me faites. Ça vous amuse? Ah oui, voilà, vu que maintenant j'ai 1000 abonnés sur YouTube, ils ont mis une nouveauté, enfin une nouveauté ancienne un petit peu. Mais donc c'est pas une nouveauté, qu'est-ce que je raconte? Bref, c'est, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est l'onglet communauté. Donc l'onglet communauté, qu'est-ce que c'est? C'est un onglet qui s'appelle communauté. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Et dessus on peut mettre des posts comme sur Twitter, Facebook, ben non, Snap, on peut pas poster, on peut faire des stories, envoyer des messages et des nudes.
Et voilà, donc on peut poster des petits trucs avec un lien, d'une nouvelle vidéo, des sondages et tout. Voilà, de toute façon, dans une semaine, il y en aura un. Parce que je l'ai dans une semaine, je l'ai pas directement dans les communautés. Parce que c'est à partir de 1000 abonnés qu'on l'a déjà. On est beaucoup sur YouTube et tout, du coup. Tout le monde passe les 1000 abonnés à peu près en même temps. Il y a plein de gens qui passent les 1000, du coup. Ça met un petit peu longtemps. Donc YouTube, si vous pouvez me la mettre tout de suite, ça m'arrangerait, YouTube. Là, je fais trop le YouTuber qui est connu, qui peut parler à YouTube comme ça. Alors que même mon chien, il m'écoute pas. Bref, donc les communautés, c'est un très gros plus. Je pourrais mettre des youtubeurs en avant, voilà, il y aura plein de choses. Je pourrais mettre des teasers de mes vidéos, bref. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le code créateur. Créateur, les gars. Code créateur, il y en a plein qui l'ont grâce à Instagram de mes potes. Mais eux, ils ont fraudé. Arrêtez de frauder, c'est pas bien de frauder. Ils sont allés sur Instagram, ils sont abonnés à des stars et tout. Les petites célébrités sont abonnées à plein de monde. Comme ça, ils se font follow back. Et comme ça, ils ont 1000 abonnés. Bon, certes, t'as un code créateur, c'est bien et tout. Mais moi, je préfère l'avoir comme ça, mon code créateur, grâce à vous. Grâce à des vraies personnes, pas des robots à la con. J'ai bugué là, je crois. C'est sur Fortnite le code créateur. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui jouent à Fortnite, de mettre le code créateur que j'aurai dans une semaine aussi, parce que je viens d'avoir les 1000 abonnés. Et le code créateur, ça met une semaine ou deux à venir aussi. Et vous allez le mettre. Hein. Je vous mets un sondage dans le i, là ou là. Est-ce que vous allez mettre mon code créateur? Répondez-y tout de suite. Vraiment tout de suite. Pour ceux qui jouent à Fortnite, ça fait vraiment plaisir. Ça m'ouvre vraiment des portes. Je pourrais faire des. Vu que j'ai déjà plus d'audience, on va dire. Enfin, je peux pas dire ça parce que ça fait un peu mec waouh, tu vois. Comment dire? De notoriété. Un petit peu vraiment 1000 abonnés. Vu que j'ai un petit peu plus de notoriété, je pourrais faire des petites collabs, des toutes petites, comme avec Sainik Clothing. Je vous montre. Sainik Clothing, c'est une marque de vêtements qui m'a contacté sur Instagram, qui a contacté un petit peu tout le monde. Enfin, ça se voit que c'est une marque en cours d'évolution. Je sors du cadre comme ça, je sais même pas pourquoi. C'est pour aller chercher mon téléphone. Qui a encore un fond d'écran de Bob l'éponge en 2020, les gars? Moi, Noro. Pardon. Et donc voilà, je pourrais faire des mini collabs, essayer de rémunérer de 5€ mes vidéos. Et d'ailleurs, il y a un youtubeur, un pote qui s'appelle Malone. Il a créé sa marque de vêtements et il a touché 5€ sur une de ses vidéos. Donc je vous mets le lien de son site pour acheter des vêtements dans la description. Même si je pense qu'il y en a qui vont niquer ma mère. Faites pas ça, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas cool pour moi déjà. Après, je m'en fous pour ma mère, mais c'est pour moi, tu vois. Je rigole, maman, je t'aime. D'ailleurs, tu dois m'acheter mon écran. Ouais, 200 balles, ouais. C'est bon, madame, tu mets 160, j'ai mis 40. Là, on est bon. C'est bon, mais c'est équitable, madame. Madame, imaginez, bah, allez, je vous fais le prix demi. Vous mettez 140, j'ai mis 60. Vous mettez 200, je regarde. C'est bon? Avec l'accent kabyle, je te jure, ça passe vraiment mieux. Je dis pas que les Arabes, c'est des voleurs. Bref, du coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi, 1000 abonnés. Voilà. Je continue à faire des vidéos, je vais faire des collabs avec d'autres youtubeurs. Oh, je sais plus quoi dire. Il y a YouTube qui m'a envoyé mon premier message. Je vous mets le screen à l'écran, bravo. Félicitations pour vos 1000 premiers abonnés, ouais. Merci YouTube. Pour ceux qui m'ont posé la question déjà, je l'ai déjà eu plein de fois. Et par contre, vos retours sur Instagram, YouTube, Snap, MSN. Non, vous avez été ultra nombreux à m'apporter tout votre amour. Vraiment, c'était... J'ai pas les mots. Vous m'avez donné vraiment la motif de vraiment continuer les vidéos, de persévérer sa mère, là. Bravo pour t'es un gars, GG pour t'es un gars, tu vas percer mon FD. Ça, je suis pas sûr, mais il y a plein de trucs comme ça qui m'ont touché vraiment profond. Même des gens que je connaissais pas, qui m'ont dit bravo pour t'es un gars, tire à loin, continue comme ça et tout. Je vous remercie énormément avec la vidéo spéciale qui va bientôt arriver normalement pour mes 1000 abonnés. Je vais essayer de vous... De faire un truc stylé d'abord. Mais j'espère que ça va être stylé. En tout cas, j'ai ma petite idée en tête, donc je pense que ça va être stylé. Et donc, vos retours étaient ouf. Donc, je vous aime vraiment. Je vous rends le bonheur que vous m'avez donné, ouais. Que vous m'avez donné. Voilà, c'est bon, c'est pas compliqué. Mario, calme-toi. Ah, vraiment, je te jure, j'ai 1000 abonnés. Avant, je faisais des vidéos devant 500 personnes. J'étais comme ça, en mode, yo, les 500 mecs, maintenant 1000, tu te dis. Mais 1000 abonnés dans une salle, 1000 personnes dans une salle. Je me mets sur la scène, tout le monde dit, fais nourrir. Moi, chez gars, c'est noro. Pas ouf, hein. Personne rigole, là, c'est le beat total, je me fous dans le décor. Un 5ème sur cette vidéo, je me taille les veines. S'il y a des gens premier degré sur cette vanne, je vous jure,
Vous êtes chelou, vous êtes chelou. Bref, il y a plein de trucs comme ça qui s'ouvrent à moi. Vraiment, je vous aime grâce à vous. On ira loin. Vous inquiétez pas que je vous remercierai en retour à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Si je gagne de l'argent, je mettrai dans les putes. Pardon. Dans mes vidéos, dans tout ça, j'irai pas m'acheter des affaires. Déjà, si j'ai assez d'argent, parce que si je gagne 2 euros par mois grâce à YouTube, c'est bien, mais monsieur, désolé, c'est pas ouf, hein. Va vivre ta vie avec 2 euros. Après, je sais qu'il y en a qui... Par exemple, les SDF, grosse force à vous, mais vous pouvez pas regarder mes vidéos. Putain, je suis vraiment un bâtard à faire des blagues là-dessus, mais vraiment, essayez de donner de l'amour aux SDF, juste un petit bonjour. Là, je fais de la prévention, enfin du truc comme ça, je suis un peu mon suceur, mais c'est vrai, les gars. Juste un bonjour, ça leur fait plaisir. Même les gens qui travaillent dans les poubelles, vous leur dites « Ah, t'as mérité ton métier, con !» Non, mais non, vous lui dites bonjour, dites pas ça, surtout pas. Vraiment, juste des petits trucs comme ça, vos papiers, mettez-les à la poubelle. Parce que j'en ai marre, moi, de ramasser toujours les chewing-gums dans la cour de mon collège, de les mettre dans la poubelle. De base, c'était une vidéo 1000 abonnés, je me retrouve à faire de la prévention. Je comprends pas pourquoi, bientôt, je vais faire des tutos cuisine. Donc, on se retrouve très bientôt pour la vidéo spéciale d'abord. Je voulais encore vous remercier, mais je vous ai remercié au moins 6 fois dans cette vidéo. Bref, bientôt, vidéo spéciale qui va être vraiment bien. Donc, je vais travailler dessus dès maintenant. Après le montage de cette vidéo, je vais travailler dessus. En tout cas, merci encore une fois. Donc, ça fait 7 fois que je vous remercie. Au calme, je pense que vous avez compris que je vous casse les couilles, là. Donc, voilà, c'était Noiro. Bisous. Merci à vous encore. Mais gros, en fait, c'est devenu antique, en vrai. Mettez-vous à notre place. Du coup, je vais vous laisser sur mon gros crâne. Comme ça, à chaque fin de vidéo, je vous montre mon crâne. Et vous allez voir l'évolution de mes cheveux, comment ils poussent. Voilà, salut, c'était Noiro. Là, on dirait un gay, t'as vu? Là, on dirait Amber Rose. Ouais, je ressemble à une fille, comme ça. Il y en a même un qui m'a dit, ouais, tu ressembles à Mario, tu ressembles à une fille, crâne chaud. Une fille qui a le crâne chaud, j'en vois pas souvent. C'est comme si qu'il y avait une fille qui avait la coupe au mulet. Ah, j'imagine pas le délire. Donc voilà, c'était Noiro, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. J'ai pas de fin épique à faire à part téléportation. Je gère pas encore, hein, mais ça va arriver, regardez. Ouais, bon, je gère pas du tout.